Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo produits terminés, donc je rachète ou pas, donc on commence tout de suite. J'ai les petits produits ici que je vais piocher, j'en ai pas énormément mais j'avais envie plutôt de faire une vidéo assez courte. Donc premièrement j'ai fini ce déodorant-ci que je vous avais présenté dans une vidéo qui est les 10 produits de grande surface à avoir absolument. Ce déodorant-ci de chez Sanex, donc c'est le Atopiderm. Pour les peaux sensibles et réactives, c'est un déodorant que je rachèterai, je l'ai adoré, je crois que c'est devenu quasiment mon déodorant favori. En plus je trouve la taille vraiment bien parce qu'on peut facilement le glisser dans le sac à main ou l'emporter en voyage et il est vraiment très très efficace, donc je vous le recommande vraiment à 100%. Ensuite j'ai fini le déodorant Dove Original, donc c'est un très très bon déodorant, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais je ne pense pas le racheter tout simplement parce qu'en fait j'avais acheté un lot d'environ 4 déodorants comme ça. Donc déjà un grand c'est long à finir, donc voilà, j'ai envie d'utiliser d'autres déodorants, pourquoi pas d'en tester d'autres ou sinon tout simplement de garder mon Sanex. Là j'en ai un peu marre d'utiliser celui-là. Ensuite j'ai fini cet eau micellaire de chez L'Oréal que je vous avais présenté également dans une vidéo. Donc c'est de la solution micellaire qui démaquille, rééquilibrante. Donc pour les peaux normales à mixte, c'est une eau micellaire que j'ai vraiment découverte et que j'ai beaucoup aimée. Le format est vraiment cool, enfin il fait 200 ml, donc pareil, facile à emporter. Ça se finit quand même relativement vite parce que j'ai fini ça en environ, je dirais peut-être quoi, un mois. Mais je l'ai beaucoup aimé, voilà, je ne connaissais pas du tout. Donc honnêtement, oui, je pense la racheter. Ensuite, j'ai fini mon huile de ricin, donc que j'achète à Saga. Donc elle se présente comme ceci. Alors celle-ci, ça faisait quand même un moment que je l'avais, donc là je l'ai enfin fini. Tout simplement, je l'utilise pour faire pousser mes cheveux. Ça a vraiment un énorme effet sur moi, donc c'est sûr que je vais le racheter, c'était un très très bon produit. Ensuite j'ai fini donc le gel douche du Petit Marseillais, j'adore vraiment les gels douche Petit Marseillais. Donc j'ai fini tout d'abord celui-ci qui est framboise et pivoine, donc c'était une douche crème. J'aime beaucoup l'odeur, c'est vraiment très très sympa, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais celui que je préfère c'est celui-ci, c'est le fleur d'oranger, vraiment celui-ci sent juste trop trop bon. Mais voilà, j'aime énormément les gels douche Le Petit Marseillais, donc oui je les rachèterai. Donc le mascara que j'ai fini c'est le Fossile Papillon Sculpt de chez L'Oréal, donc qui se présente comme ceci, je vous en ai parlé plusieurs fois parce que c'est vraiment un mascara qui est top. Donc il y a vraiment une brosse qui est très très spécifique en forme un peu de papillon. Le mascara est vraiment top, c'est sûr que je le rachèterai, pas dans l'immédiat parce que j'ai énormément de mascaras à tester pour le moment, mais c'est sûr que celui-ci fait partie de mes mascaras favoris. Je vous le recommande à 100%, il fait juste des cils de fou. Voilà les filles, bien on a fini avec la vidéo, c'était assez court, j'avais pas énormément de produits terminés, mais au moins ça évite que ça s'entasse et qu'ensuite ça fasse des vidéos trop trop longues. En tout cas n'hésitez pas à partager et tout simplement vos avis sur les produits que moi j'ai testés, et si vous avez un avis différent, ce serait cool de pouvoir le partager. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram, donc c'est sosomakeup83, c'est vraiment le réseau social où je poste le plus, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite.